Yo les poissons, c'est Foyer, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de mon gladiateur au niveau 90. J'avais fait la même chose au niveau 70 je crois, ah bon c'était 80 je sais plus. Mais il y a un petit moment et du coup, vu qu'il y a eu pas mal de changements au gladiateur et à mon stuff surtout, bah, j'ai envie de faire une autre vidéo. Et surtout qu'on me l'a demandé un petit peu donc voilà. Donc en premier je vais vous montrer mon stuff déjà. Donc, bah, j'ai stuff full BDN légende à la base. Au niveau 90, avant le reset, j'avais juste l'arme et l'arme secondaire, peut-être les bots, je sais plus. Je crois que j'avais les bots, ouais, plus 12 ou plus 13. Mais du coup, grâce au reset, j'ai eu plein d'argent et assez d'écailles pour tout créer, donc j'ai tout créé. Donc c'est plutôt pas mal. Et ouais, du coup, finalement, en fait, le reset, il a été vachement bénéfique parce que j'ai pu faire le même stuff avec ma lanceur. Et je pourrais faire le même avec ma sniper, si j'ai envie de la jouer. Donc ouais, ça on s'en fout. On en a rien à foutre. On va parler surtout de mon stuff de mon glad. Peut-être que je ferai une vidéo pour ma lancer aussi, même si c'est pas. Même si je la joue pas autant. Mais donc bref. Pour mon stuff BDN, j'ai mis déjà de. Pour tout mon stuff, ouais, j'ai mis déjà Force, High Guard Force et High Guard Life. Avec des 3ème stats en général. Moi j'ai une agile là-dessus, je ne sais pas. Pour les stats déjà de. Comment on appelle ces jades? Les skills jades, on s'en fout quoi. Donc ouais, j'ai mis partout sur tout mon stuff Life et BR. Pour de la vie, pour survivre tout longtemps, logique, et pour de la force, pour les dégâts, et surtout pour le passif du glad maintenant. Je vais l'expliquer un petit peu plus tard quand je viendrai dans les sorts. Et ensuite, pour mon épée, j'ai une jade light. Il paraît que pour faire le RDN, c'est mieux de faire une jade ice, mais ouais, ça fait pas une grande différence. Et donc ouais, pareil pour le gant, j'ai un truc pour booster la light attack, et pareil pour les deux accessoires là. Pour les deux autres accessoires, j'ai du bear aussi, pour encore plus de force et plus de power. Ensuite, du coup, pour les anneaux, je les ai fait il y a pas très longtemps et j'ai mis à peu près 200 000 gold dedans parce que j'ai pas arrêté d'avoir des mauvaises stats. Parce que j'ai fait des anneaux techniques, lui je crois que j'ai acheté. Et ouais, du coup, avec mes anneaux techniques, j'ai monté les sorts Finish Attack, Deep Strike, Packing Stunts et Line Drive. Et aussi avec mon épée de mon costume, j'ai triple slash plus 1. Et avec le skill up, j'ai encore Line Drive plus 1, je crois. Ouais. Du coup, ça monte pas mal de sorts. Je vous montrerai après dans mes sorts, mais voilà. Et ouais, après pour les stats de mes anneaux, critical et light attack surtout. Donc c'est vachement bien. Encore critical et light attack. Les deux de là, je les ai achetés, je crois. Et les deux de là, je les ai créés. Et ouais, après le maximum de force, toujours. Ensuite, au niveau du costume. Bah pareil, ils m'ont redonné le costume que j'avais avant, donc c'est bien. Et après, ouais, ça c'est les trucs que tout le monde a, je crois. Ah oui, j'ai ça aussi, le. Avant c'était bien parce que quand il n'était pas évolué au maximum c'était un petit poisson rose donc c'était parfait. Mais bon, maintenant il est plus fort, il a du fait de damage et tout donc c'est cool. Pet on s'en bat les couilles. Héros on s'en bat les couilles aussi. Et héraldrie, j'ai pas encore fini mes héraldries. Là la plupart sont critical, enfin niveau 90, 3ème stat critical. Ouais. Donc vie, critique avec 3ème stat attaque. Attaque avec critique avec 3ème stat critique. Physique défense avec critical. Là c'est celle-là que j'ai pas encore. Mais vu que je suis déjà au max de critique, faudra pas que je prenne critique, faudra que je prenne force. Et les deux là je les ai pas. Enfin une damage que je vais prendre force aussi à 3ème stat. Mais je vais attendre qu'elle. Ça va coûter cher je pense. Et ensuite. Ouais, agi critique et force critique. Et j'ai aussi des plaques en plus avec ouais, la plaque attaque qui fait de l'attaque et de la fin de l'image, donc c'est vachement bien. Ensuite au niveau des sorts, j'ai sidekick évidemment pour plus de vitesse avec le clic droit. Triple slash cooldown, que ça, faut que je le change d'ailleurs. Parce que maintenant triple slash a plus aucun cooldown, donc je pense que ça vaut largement plus le coup de prendre de l'attaque. Donc ouais, si vous voulez faire le même build que moi, prenez attaque plutôt. Et ensuite finish attack damage, très important, et line drive damage aussi très important. Evadence slash damage, c'est assez bien. Je crois pas qu'on peut avoir cooldown avec. Non, on peut pas avoir cooldown sinon je l'aurais pris. Mais ouais, donc damage c'est pas trop mal. Deep Strike ça peut être bien aussi. Deep Strike damage maintenant. Peut-être que je changerai ça, je sais pas. Et Hacking Stones cooldown qui est pas très très utile non plus, mais ouais, bon. Et ensuite on s'en fout. Ça je l'ai déjà montré, c'était le plus simple pour Line Drive. Et ensuite les talismans que j'ai pas du tout encore fait les talismans. Enfin, faut que je fasse des 90 rares avec le 3ème stade, donc c'est assez galère et assez cher. Donc pour l'instant j'ai des 80 avec une 3ème stat la plupart, sauf celui-là. Bon, Fine Damage je l'ai mis en avant parce que Fine Damage c'est la vie. Ensuite ouais, j'ai les 3ème stats aussi avec du critique je crois. Donc Attack Power Critical, Force Critical, Attack Power... Ah non, Critical Attack Power. Critical Damage, ouais d'ailleurs ça faudrait que je le change aussi. Ensuite ouais, Agi Critical, ouais de toute façon à chaque fois c'est avec du critical donc ouais. J'ai mis les trucs en attaque en avant et défense en arrière.
Et après, vu que j'avais des slow libres, j'ai pris Magic Attack Critical et Intelligence Critical. Ce qui sert à rien, l'intelligence et tout, mais je sais juste pas avoir le Critical en plus. Quoi. Donc, ouais, voilà. Et donc, bah, c'est fini pour le stuff. Je vais vous montrer quand même les stats que ça me donne. Si ça vous intéresse. Pareil pour les héraldries. Donc voilà, et ouais, je vais quand même vous montrer mes stats. Au final, j'ai 52 000 de force. Je vous montrerai après, enfin, je vais sans doute mettre dans la vidéo là. Avec tous les buffs, je monte à 80 000, un truc dans le genre. Et ouais, et là, 117 000 d'attaque, et avec tous les buffs, je monte à 210 000, un truc dans le genre. Donc c'est plutôt pas mal, le passif du Glad est vachement bien. Ensuite, Critical, je viens juste de passer. Ah oui, il y a un truc que j'ai pas montré. Avec mes jets, je les ai passés plus 10. Comme ça, ça me fait des bonus de. Pourquoi je monte sur l'écran ? Des bonus d'attaque power et critical, c'est ça qui m'a fait passer au max. Donc ouais, pareil ici, elle je l'ai encore plus monté, plus 11. Et là elle me donne du final damage, bon je l'ai pas encore plus, j'ai pas encore pu la monter plus, mais... c'est quand même vachement bien je pense. Même si ça me donne que 3. Et plus 10 aussi sur celle-là, que je vais sans doute monter plus aussi. Du coup, ouais, final, attaque power, enfin qu'est-ce que j'ai ? Critical, je suis déjà au maximum, critical damage je suis à 232, c'est pas mal. Je pense qu'on s'en fout. Et les éléments je suis à 23, ouais. Qui est pas trop mal quand on a une jade qui fait moins de 15%. Et ensuite, final damage, je suis que à 11%. Ça faudrait que j'essaye de faire un stuff. Peut-être prendre déjà de 3ème stat final damage, mais déjà c'est super cher, essayer de le retrouver. Vu que je suis déjà au maximum de critique. Ouais. Ensuite, un autre truc que je pensais faire, c'était changer mon BDN légende en RDN légende. Mais ça aussi, ça va prendre du temps et beaucoup de sous. Parce qu'il va falloir le faire, là, ce sera pas aussi facile. Donc ouais. Bah du coup pour le stuff je crois que c'est tout, j'essaie de réfléchir si j'ai rien oublié. Ouais. Juste pour info, s'il y a des gladiateurs qui sont intéressés à d'autres possibilités de stuff qu'il y a, on peut par exemple faire la Nightmare Sword plus 13, qui est pas trop mal. Si vous avez pas envie de payer super cher pour ça, c'est assez facile à monter. Nightmare Sword et Nightmare Gantlet. Et ça fait des stats pas trop mal. Et sinon, il y a aussi moyen, si on peut pas prendre des plus 1, de faire des RDN, RDN légende et de mettre déjà de légende dessus. Oui, j'avais voulu faire ça et je les ai achetés pour rien parce que je peux plus les revendre maintenant. Et... Enfin, lui, je peux le revendre. Ouais. Du coup, c'est un peu triste parce que j'essaie déjà de... que j'ai acheté genre 70k pour rien. Mais bref. Donc voilà, bah, je pense avoir tout dit pour le stuff. Du coup, on va passer au skill build. Bah, pareil que dans ma dernière vidéo, je vais déjà montrer le skill build PVE et après le PVP. En expliquant les 2-3 trucs qui ont changé depuis la dernière mise à jour. Skill build du gain et du coup, bah comme d'habitude en fait, j'ai pris les attaques, j'ai monté le dash, j'ai monté le dash kick aussi parce que maintenant plus on monte de niveau et moins il a de cooldown. Du coup là il a 7 secondes de cooldown, ce qui est vachement bien pour reset le cooldown de line drive. Circle break avant je crois que je l'avais monté plus, niveau 21, mais ça fait aucun dégât maintenant comparé aux autres sorts, donc juste niveau 6 pour l'iframe. Ouais, relive niveau 6 pour enlever le plus de debuff et avoir le cooldown le plus bas. Ça j'ai monté, enfin ça il faut monter, mais ça je les ai montés alors que ça sert vraiment à rien le mana. Mais bon, ouais, c'est vrai que j'aurais peut-être pu monter autre chose après, je sais pas. Donc ouais, prenez pas le mana, ça sert à rien, on est toujours full. Parce qu'en fait ouais, maintenant si vous le savez pas, les seuls sorts qui utilisent du mana c'est les sorts qu'on peut avoir en acquis, donc ceux-là, ceux-là et finish attack. Donc ouais, du coup on passe au skill du swordman. Bah du coup comme vous l'avez vu, j'ai du plus 1 sur tous les équipements et plus 2 sur line drag, ce qui fait très très mal. Et sinon ouais, j'ai tout maxé parce que pour plus de dégâts. J'appelle les caps de niveau, c'est 6, 11, 16, 21, 26 peut-être. Du coup, ouais, après, Deep Strike maxé, Effincense maxé, Line Drive maxé encore plus. Et bien sûr, l'ulti. Le petit changement d'ailleurs, c'est que j'ai pris l'autre ulti du Moonlord, parce que maintenant, elle tape physique, du coup, c'est assez bien pour clear les donjons. Genre les DQ et tout, ça aide bien. Donc ouais, même si elle fait plus de dégâts quand même à Infinity Edge. Ensuite, au niveau de ça, bah, je l'ai juste pris pour leur utilité. Eclipse maintenant, c'est pareil que Dash Kick, quand on monte de niveau, il baisse du cooldown, vous voyez qu'il est passé de 20 à 19 secondes, mais bon, je l'utilise pas beaucoup, il fait pas de dégâts, donc moi je l'ai laissé niveau 1. Drive et Piercing Thrust, toujours pour les debuffs maxés. Et maintenant Piercing Thrust, il tape un petit peu, donc ouais, c'est pas trop mal. C'est vrai que je l'ai maxé, même si je crois que le debuff ne sert à rien. De toute façon, j'avais pas mal de sorts encore, enfin pas mal de points. J'en ai même encore un que je sais pas quoi faire. Donc ouais, après j'ai pas pris les sorts de Moonlord, parce que... je les utilise pas vraiment maintenant. Maintenant, Glove a tellement pas de cooldown qu'on peut juste spammer tous ces sorts là. Et ensuite, du coup, on passe au sort de Glad. Forcément, Evasion Slash maxé qui fait pas mal de dégâts maintenant. Je sais pas s'ils ont boosté ses dégâts.
Mais aussi pour ceux qui savent pas, le Evasion Slash maintenant, quand on tape avec, ça reset les cooldowns de Triple Slash et Deep Strike, ce qui est très pratique, et ce qui rend la classe beaucoup plus fun et beaucoup plus rapide à jouer. Parce qu'on peut vraiment toujours attaquer en fait. Du coup ensuite Finish Attack, j'ai monté niveau max et plus 1 aussi parce qu'il fait des très bons dégâts. Et maintenant la petite différence c'est qu'il a 5 secondes de cooldown mais qu'on peut l'utiliser seulement quand on a 15 bulles de Gladiator. Je crois pas qu'on appelle ça des bulles en fait, des Physical Rising, enfin on va appeler ça des bulles parce que c'est plus mignon. Et donc ouais, quand on peut avoir jusqu'à 20 bulles maintenant, je vais parler des passifs du coup. On peut avoir jusqu'à 20 bulles et chaque bulle augmente la force de 4%, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment maxer la force avec Gladiator. Et ouais, une fois qu'on atteint les 20 bulles, tous les cooldowns sont réduits de 50%, enfin tous les cooldowns de sort de Gladiator il me semble. Peut-être pas, je sais pas. Oui, je crois que c'est ça. Et ouais, donc en gros, Line Drive a genre 10 secondes de cooldown, c'est abusé quoi. Et ouais, bah c'est à peu près tout, du coup Glad est très rapide comme je l'ai dit. Là il y a vraiment plus de cooldown. Plus en plus que les cooldowns soient réduits, on peut reset carrément les cooldowns avec Vazen Slash, donc ouais, vraiment très bien joué. Et ensuite ouais, Finish Attack il faut 15 bulles, mais en fait du coup c'est très pratique parce que ce qu'on peut faire avec Gladiator, c'est genre on fait des petits DPS avec Line Drive Instant X. Et ah oui, Line Drive, d'ailleurs j'en ai pas parlé. Mais Line Drive maintenant quand on reste appuyé sur S, quand on la lance en version, comment dire, en version où on bouge pas, comme si on était contre un mur. Donc en gros c'est super facile de mettre tous les coups avec. Donc ouais, ça maximise le DPS, c'est bien. Et donc ouais, je disais, genre on commence le combat, on fait triple slash deep straight, on met les debuffs, on reset les cooldowns avec Evasion Slash, on les refait et tout. On fait des petits DPS avec Line Drive, et une fois qu'on est à 20 bulles, enfin une fois qu'on est à 20 bulles et que le boss a plus beaucoup de vie, genre les deux dernières barres, on balance la finish attack, on fait Kingstance pour reprendre les bulles, on rebalance la finish attack et on peut faire ça quasiment en boucle et c'est... En général les boss tiennent pas très longtemps. Ça je l'ai pas dit mais ça a pas vraiment changé la Line Drive. Juste Line Drive a été boosté je crois dans la dernière mise à jour, enfin je crois quasiment tous les sorts de Glad ont été boostés. Donc ouais, maintenant Glad c'est très fort et du coup ça m'a assez motivé à rejouer. Ça a pas vraiment changé, je crois pas que les autres sorts ont changé. Si vous le savez pas... D'ailleurs pourquoi il s'appelle Front Shove ici alors que ici c'est Deep Strike. Mais Deep Strike il réduit la résistance au critique, donc c'est bien. Toujours pas de description pour Finish Attack X. Je crois que j'ai fait le tour pour les sorts de Glad. Enfin pour les sorts de Glad, pour mon skill build de Glad PvE. Donc on va passer au PvP même si j'ai pas vraiment fait de PvP depuis la dernière mise à jour. J'ai fait genre un combat contre un Abyswalker. Bah du coup, skill build PvP. Pour guerrier, j'ai pas monté ça parce que je crois pas que ça réduit le cooldown en PvP. Ouais. Ensuite, comme d'habitude, Rising Slash pour le troisième coup. Ou deuxième coup. Et Circle Break pour l'iframe, donc niveau 6. Pareil, Relieve plus 6 pour les debuffs et pour le cooldown. Et là, du coup, je l'ai pas pris. Alors peut-être qu'en leader, peut-être qu'en leader ce serait utile, je sais pas du tout. Il y a tellement plus personne qui fait du leader. Moi, je voulais refaire des leaders sérieux d'ailleurs, mais en ce moment, il y a vraiment personne sur DNO. Il y a encore moins un leader. Un jour, les leaders sérieux reviendront, mais faut qu'il y ait des gens quoi. Donc, ouais. Le skill build de l'épéiste, j'ai pas changé grand chose. J'ai tout maxé là aussi. J'ai pris le pari qui est complètement pété en PvP, mais qui va se faire nerf un jour. J'ai pas monté le counter exile, parce que je crois que ça a un peu moins de dégâts, je suis pas sûr, mais surtout parce que j'avais plus de points. Et là, cette fois, j'ai pris le Moonlight Flitter niveau 16 parce que ça fait mal aussi. Et le Cyclone pour toujours pour qu'on voit un petit peu ce qui peut servir. Donc, ouais, sinon, il n'y a pas beaucoup de changements. J'ai vu des gens qui prennent Alphum Slash, mais moi perso, j'aime pas l'utiliser. Enfin, ouais, j'ai toujours joué sans, donc ouais, j'ai pas l'intention de l'utiliser. Et puis en général, Alphum Slash était bien pour placer la Line Drive, mais maintenant, la Line Drive est tellement facile à placer. Ouais, vraiment, la Line Drive maintenant en PvP, elle est complètement pétée parce qu'avant, genre, fallait se faire chier à faire des combos pour le pousser vers le mur, pour mettre les debuffs et tout. Maintenant, YOLO, tu balances le dash slash, tu appuies sur S, c'est bon, tu mets les 4 roues, moins 60k, c'est bon, t'as gagné. Donc ouais, après pour le skill build de Gladiator, c'est à peu près, bah c'est pareil en fait, c'est exactement pareil. Le seul petit nerf de Gladiator, c'est que la finish attack, même si elle fait beaucoup plus mal, maintenant faut avoir les 15 bulles pour la lancer. Donc ça peut prendre un peu plus de temps en PvP. Mais ouais, bon. On va pas se plaindre parce que Gladiator, ça reste vraiment pété en PvP en ce moment, de ce que j'ai pu voir. Bah donc voilà, en fait j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus sur le skill build PvP, surtout que j'ai pas beaucoup PvP depuis le patch, donc je peux pas dire grand chose de plus. Donc ouais, bah je pense que c'est à peu près tout du coup pour cette vidéo. J'essaie de réfléchir si j'ai pas oublié quelque chose, mais je crois que c'est tout. Donc ouais, bah dites-moi dans les commentaires, parce qu'en ce moment c'est vrai que je joue pas beaucoup ADN, enfin je m'y suis remis mais je fais pas beaucoup de vidéos dessus, donc dites-moi vraiment dans les commentaires si vous jouez encore ADN et tout ça, parce que ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment plus personne sur ADN. Genre par exemple, il va y avoir personne de connecté, voilà, c'est la fête. Mais ouais, bah dites-moi en commentaire si vous jouez encore ADN et tout ça, et si oui, quel contenu vous voulez voir, parce que le leader, je pense que ça va être dur d'en faire, mais ouais. Donc du coup, dites-moi. Donc en attendant, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.